worry about the doctor. Ne vous faites pas. Right now, he'll have plenty. Ne vous en faites pas pour les occuper. Votre précieuse masse. It gives us time to get away. I'll undo you. Ça laisse le temps de fuir. Wait. Je vais nulle part. Il me retrouvera. I can't go anywhere. It'll find me. Like it found me here. You're mistaken about the beast. Trompez la bête. Ne restez pas avec moi. Oh, you'll end up the same way. Vous connaîtrez ma fin. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor. Le docteur. You think it's the doctor? C'est le docteur qui m'a fait peur. The doctor wants to heal me. Le docteur veut me soigner, mais he wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. Que je ne voulais pas. The real culprit is Sarah. Her and her cursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Is she cursed because of something she did to you? No, no, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. But she never wanted all that. Well, not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! Le destin. It has trapped you. Il nous a piégé. Don't let it see you. Or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins visitor. The Chandler. Sanders. Pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Il n'est plus possible de me sauver. No, Sanders. Ah ouais, quand même. On se calme. What hell? I got it. D'accord. This is insane. What killed him? Alors, qu'est-ce qui l'a tué? J'en sais foutre rien. On aurait dit un esprit. Bon, j'ai pas le temps. Je peux pas la prendre, la seringue à la réanimateur là. Sur lui? Non. To move on. Ah, ok. Manor Hawkins. Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans le sous-sol de l'Institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper en errant dans les couloirs de cet endroit où le docteur Fuller règne en maître. Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Sander. Avant de mourir sous les yeux du détective,
Il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden. Les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. Allez. That nightmare again. I need a drink. Encore un cauchemar, j'ai besoin d'un verre. Ah, on est en haut. On est tout en haut. D'accord, donc ici il n'y a rien. On va peut-être faire un point là parce que pour l'instant le problème que j'ai hop ici manoir Hawkins, j'ai finalement atteint les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée Institut Riverside, mais en chemin j'ai inhalé le gaz qui s'échappait d'une conduite abîmée, j'ai perdu connaissance, je me rappelle de Bradley vivant vraiment qui me parlait et je me suis réveillé dans le manoir Hawkins, je dois comprendre ce que je fais là et quelle est la suite des événements. Bon, en tout cas, on a tout fait. Hein. On a vraiment tout fait. Alors, Pierce. J'ai 5 points. 5 points, ça me permet de faire clac. Santé mentale. Secoué. Ah oui, d'accord. Les épreuves surmontées ont laissé leur marque, mais vous faites toujours face autant bien que mal. Vous occupez votre esprit pour y chasser et tous tes souvenirs douloureux. Il vous reste encore du chemin à parcourir. Qui sait ce qui pourra mener votre esprit sur les sentiers de la folie. Ok, comment on peut faire pour dire de récupérer un peu de santé quand même? Ça se récupère quand même à un moment. Trauma mentaux. D'accord, cauchemar. Rare. Ok. Rituel interrompu. L'apparence monstrueuse des hommes. Un rituel n'était pas parvenu à émouvoir le vétéran, mais la mort brutale de Bradley, révélation de son assassin. Ok. Ici c'est quoi? Macabre découverte. En parcourant le sous-sol. Après une morgue, à l'état de décomposition avancé, ce cadavre. Respect pour la vie humaine. Bon, le témoignage de cette pièce. Ok. D'accord, mort de Francis Sonne. Ouais, donc en fait, on cumule les trucs, en fait. C'est génial. Dark Potter. Hop. Amateur. Charles Hawkins. Donc, c'est bien ce qui me semblait.
Armateur, 41 ans. Ok, il a été brûlé en tout cas. Il a été brûlé, mais il a muté aussi. Hein. L'ami de l'officier Bradley travail. Tout finit bien avant mon arrivée que Fuller se livrait à des activités illégales. Ok. Marchand d'art. 47 ans. Ok. Symbole ésotérique qu'il semblerait obsédé par un vagabond. Oh là, un vulcain, un vagabond. Interstellaire, un truc comme ça. Il est mort sous mes yeux. Expliqué. Ah oui, bah c'est le vagabond interstellaire qui l'a massacré. Ok, intermédiaire transféré au sous-sol de l'institut sorte d'asile clandestin où le docteur Fuller se livre sans être inquiété à des expérimentations sur les patients. Des machines inconnues côtoient des dessins anatomiques pour le moins inquiétant. Je me suis enfui de cet endroit de justesse. Je ne pourrais peut-être pas avoir autant de chance une prochaine fois. Ok. Cultistes endormis. Ils sont allongés sur les pierres glacées. On dirait qu'ils sont morts, mais leur corps ne se décompose pas. Est-ce que c'est une sorte de coma? Une chose est certaine, ces hommes ont été soumis à une sorte de traitement qui change leurs caractéristiques physiques. Je ne sais même pas si on peut encore les appeler des hommes. Ok. Indice. Au sous-sol. Ce sol de l'institut, l'asile, les mêmes symboles tracés à la craie noire et répétés à l'infini. Ouais, mais ça on s'en fout. Dossier médical Francis Sander. D'après son dossier, le patient semble souffrir de psychose. Bah ça je l'avais déjà vu. Ok. Inventaire. D'accord. Voilà, c'est ça, et on arrive en bas. Alors ici, j'ai trouvé une dague dans une alcôve creusée, et même la roche, sous le manoir Hawkins, le manque passionné qui occupait les lieux. Ok, ça c'est vu. Bible annotée. Ok. Ici, le bréviaire de la santé, tome 1. Histoire générale de la médecine. Ok. Incision et saignée. La bonne pratique. Ok. Bon, je crois qu'on est bon. Juste, je veux vérifier un truc. On commence à avoir pas mal de trucs. Mine de rien. Bon allez, on peut y aller. Non.
I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. D'accord. Bon, il y a eu un peu de ménage de fer. Hein.